Voilà, j'ai fini de brancher, donc ma terre qui est ici va être reliée au neutre qui sort de l'onduleur qui est ici pour le mettre à zéro. Il faut lui donner une référence de zéro et donc du coup lui aura 230 volts, la phase aura 230 volts. On va se retrouver sur le régime normal, le régime TT, et on regarde effectivement que cette fois-ci, en mode UT, donc en mode EDF, on a bien toujours nos trois LED. On va changer, on va se mettre en mode solaire. Donc là, ici, on est bien en mode UT. L'onduleur est en mode UT, donc EDF. On va le mettre en mode solaire. J'espère qu'il y en a encore dehors. Voilà. On a entendu les relais qui ont pris. Donc en fait, le relais qui est ici a pris. Il a donc amené la terre au neutre qui est ici. Et on voit maintenant qu'en mode off-grid, on se retrouve avec le bon régime de neutre. Ce qui permet maintenant, en fait, effectivement, de faire fonctionner le testeur de coupure de différentiel. Je ne vais pas le faire maintenant, sinon je vais couper ma ligne. Mais maintenant, en fait, mon panneau électrique, quand on est en mode onduleur, va vraiment fonctionner comme il est censé fonctionner en mode off-grid. Si on reste en mode onduleur avec un régime de neutre qui n'est pas correct, le tableau électrique ne va pas déclencher. Dans cette possibilité, dans cette solution-là, le fait d'avoir ramené la terre au neutre nous permet effectivement, là je confirme, la terre au neutre nous permet de nous retrouver dans le bon régime de neutre. Voilà, concernant ceci, je ferai une documentation pour la manière dont ça fonctionne. En gros, lui, il détecte s'il y a du courant ou pas sur le primaire. S'il n'y a pas de courant, il fait rien. S'il y a du courant, il fait rien. S'il n'y a pas de courant, il détecte qu'il n'y a pas de courant. Et donc, on se retrouve en mode onduleur. Et donc, il va faire tirer ce relais qui lui-même va donc prendre la terre et la ramener au neutre. Le neutre qui est là en bas. Voilà, en gros, comme ça fonctionne. Je vous mettrai en commentaire les références de ces deux appareils. Donc la bobine plus le relais.